Les jeunes, s'il vous plaît, on va commencer. Donc, bonjour, je me présente, c'est Dr Hamdi, je suis maître assistant au service ORL. Est-ce que vous avez fait un stage ou là, mais qu'un stage? Ah, ok. Donc, concernant les adénopathies cervicales chroniques, donc, il faut savoir qu'à côté des simples réactions ganglionnaires, qu'on a au décours d'une rhinopharyngite ou d'une angine aiguë, est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont au fond. Je vais essayer d'augmenter le volume. Donc, à côté des réactions ganglionnaires simples au décours d'une rhinopharyngite ou d'une angine, existe des adénopathies, notamment dangereuses, dont vous ne devez pas passer à côté. D'accord? Donc, comme motif de consultation, vous aurez une tuméfaction cervicale. Le patient va venir vous voir pour une tuméfaction cervicale. Il faut savoir que cette tuméfaction cervicale peut être un symptôme annonciateur d'une maladie grave. D'accord? Donc, passer à côté d'une adénopathie métastatique et vous aurez condamné le malade. D'accord? Il faut savoir qu'on est un pays endémique de deux pathologies. Donc, on est un pays endémique de deux pathologies. Les plus fréquentes ici en Algérie sont la tuberculose ganglionnaire et vous avez aussi le cancer du cavant. Vous avez fait le cours du cancer du cavant, pas encore. Donc, il faut savoir que le pourtour méditerranéen, notamment les pays du Maghreb, constitue une zone d'endémie du cancer du cavant. D'accord? Et le cavant présente une symptomatologie d'emprunt. Le patient, il ne va pas venir avec une symptomatologie cavaire. Il ne va pas vous dire « j'ai un processus au niveau du cavant ». Ça sera soit une otite séromuqueuse, soit une obstruction nasale, soit une épistaxis, soit une adénopathie cervicale. D'accord? On passe. Donc, concernant les adénopathies, ils constituent un motif très fréquent en consultation. Cependant, il faut faire la part des choses entre adénopathie et tuméfaction cervicale. C'est-à-dire, donc, vous pouvez avoir des diagnostics différentiels à une adénopathie cervicale. Il faut les connaître. Concernant la prise en charge des adénopathies, vous avez un algorithme à suivre. D'accord? Il ne faut pas se précipiter et faire une cytoponction d'emblée. Ou il ne faut pas se précipiter et faire une incision dans un but de faire une adénectomie. Puisque vous allez voir par la suite, il y a des conséquences qui sont mortelles. Une cytoponction peut tuer le malade. D'accord? Donc, concernant les adénopathies, est-ce que vous m'entendez au fond? Donc, concernant les adénopathies, donc c'est un motif très fréquent en consultation ORL. Cependant, il faut toujours avoir à l'esprit l'éventualité d'une adénopathie métastatique. Il peut s'agir d'une métastase, d'un cancer des VADS ou d'une hémopathie maligne. Donc, par définition, donc l'adénopathie, donc c'est une adénopathie qui dure depuis au moins 3 semaines, d'accord, sans signes aigus. Maintenant, si l'adénopathie présente des signes inflammatoires et le tableau clinique est aigu avec une suppuration localisée, on parle beaucoup plus d'adénoflegment. D'accord? C'est une suppuration ganglionnaire aiguë, l'adénoflegment. Ou adénite suppurée. Au décours d'une rhinopharyngite, vous avez fait le cours des angines. On peut développer au cours d'une angine un adénoflegment. D'accord? Vous avez le flegmon périamygdalien. Maintenant, si l'infection va s'étendre vers les relais ganglionnaires, vous aurez un adénoflegment ou une adénite réactionnelle. D'accord? Concernant les chaînes. Donc, concernant les ganglions cervicaux, donc, la classification anatomique ancienne, on parlait du cercle de Poirier et Cuneo. Donc,
Concernant ce cercle, vous avez les ganglions sous-mentaux, sous-mandibulaires, sous-digastriques par rapport à quoi? Par rapport au ventre postérieur du muscle sous-digastrique. Et vous avez les ganglions mastoïdiens et parotidiens. Il faut savoir que le ganglion sous-digastrique, appelé aussi ganglion de Kuttner, K-U-T-N-E-R, constitue le carrefour de drainage lymphatique. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le premier ganglion à être atteint. D'accord? Donc, c'est le premier ganglion à être atteint par une pathologie soit infectieuse, soit tumorale, vu qu'il constitue un carrefour du drainage lymphatique cervical. Donc, une autre classification, vous avez la classification des triangles cervicaux, notamment le triangle de Rouvier. Donc, Rouvier a décrit une chaîne antérieure jugulo-carotidienne, une chaîne postérieure spinale et une chaîne inférieure qui est susclaviculaire. Cependant, donc les sociétés savantes ont proposé une autre classification. La classification internationale qui est utilisée actuellement, c'est la classification de Robbins. Vous faites passer. Donc, elle a classé les ganglions cervicaux de 1 à 5. D'accord ? Plutôt à 6. Donc le niveau 1A, c'est le niveau sous-mental. Le 1B, c'est le sous-mandibulaire, en passe. Maintenant, si vous rédigez un rapport, j'ai reçu un malade qui présente une adénopathie chronique qui évolue depuis 4 semaines, qui siège au niveau 1B. Celui qui va lire votre rapport va comprendre la localisation de ce ganglion. Vous avez le niveau 3, c'est le jugulo-carotidien moyen. Le niveau 4, c'est le jugulaire inférieur. Le niveau 5, vous avez le 5A, c'est le pré-trapézien. Et le susclaviculaire, c'est le 5B. Et vous avez le niveau 6. Le niveau 6 est responsable de drainage du larynx et de la glande thyroïde. D'accord ? Donc, concernant le cancer du larynx, donc il peut vous donner des... Vous avez fait le cancer du larynx? Pas encore. Donc il faut savoir que les cancers du plan glottique ne sont pas vascularisés sur un plan lymphatique. C'est-à-dire on peut avoir un cancer au niveau des cordes vocales sans avoir d'adénopathie métastatique. D'accord? Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de vascularisation lymphatique au niveau des cordes vocales. Cependant, quand la tumeur va atteindre le niveau susglottique, vous aurez des ganglions, notamment au niveau 6, niveau 3 et niveau 4. D'accord ? Autre chose, il faut savoir que le drainage lymphatique cervical est croisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut avoir un nodule thyroïdien à gauche et développer une adénopathie à droite. D'accord ? Donc le relais lymphatique est croisé. Rien n'est systématisé concernant les relais lymphatiques. On peut avoir une lésion au niveau du cuir chevelu, un carcinome spinocellulaire au niveau du cuir chevelu, et développer une adénopathie au niveau 5. D'accord ? Donc, concernant le diagnostic positif, tout d'abord, quand vous allez recevoir un patient, vous allez commencer par un interrogatoire. Donc, il précisera la date et le début de l'apparition de cette adénopathie, le mode d'évolution s'il est progressif ou brutal, les antécédents de radiothérapie pour voir. La radiothérapie constitue un facteur de risque des cancers de la thyroïde. Des antécédents de tuberculose, la notion de vaccination au BCG, la notion de transfusion sanguine à la recherche d'HIV, donc, et la notion de prise médicamenteuse. On citera tout à l'heure les éventuels médicaments qui peuvent provoquer des adénopathies cervicales chroniques. Concernant les antécédents chirurgicaux, les antécédents de chirurgie de la face et du cou, notamment un patient qui s'est fait opérer pour une lésion cutanée du cuir chevelu ou de la face et qui développe une adénopathie à distance après 3 ou 4 mois. Là, il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une métastase d'un spinocellulaire ou d'un carcinome épidermoïde cutané.
Autre chose pour la chirurgie thyroïdienne, si vous avez des, par exemple un patient qui vous raconte qu'il s'est fait opérer il y a une année ou deux années pour un carcinome papillaire de la thyroïde, il faut avoir à l'esprit qu'il est en train de développer une métastase ganglionnaire. D'accord? Le mode de vie du patient, la profession, à titre d'exemple, les travailleurs qui sont exposés au nickel peuvent développer les carcinomes indifférenciés du cavant. D'accord? Autre chose, les contacts avec les animaux domestiques. Vous avez la maladie du griffe du chat, qu'on va citer tout à l'heure. La notion de comptage tuberculeux pour la tuberculose ganglionnaire, les habitudes sexuelles, notamment les rapports non protégés, et l'alcoolotabagisme qui est incriminé dans la plupart des carcinomes des voies aérodigestives supérieures. Est-ce que l'alcoolotabagisme est incriminé dans le cancer du cavant? Très bien, ce n'est pas un facteur de risque pour le cancer du cavant. Les signes accompagnateurs, donc notamment la fièvre, amaigrissement, altération de l'état général, la dysphagie, la dysphonie, en ce qui concerne les cancers du carrefour pharyngo-laryngé. Donc on peut avoir une adénopathie associée avec une notion d'accrochage, d'accord? Donc notion d'accrochage ou de dysphagie, là vous faites votre fibroscopie, vous tombez sur une tumeur de l'hypopharynx. Donc, votre examen clinique, donc vous commencez par l'inspection au début. Tout d'abord, on doit voir le revêtement cutané. Est-ce qu'il y a une inflammation au regard ou pas? Est-ce qu'il y a une perméation cutanée ou non? Par la suite, vous allez palper, après avoir localisé votre adénopathie, voir s'il y a une ou plusieurs adénopathies, si l'atteinte est unie ou bilatérale, sa sensibilité. Maintenant, si l'adénopathie fait mal, c'est beaucoup plus en faveur d'une origine infectieuse. Maintenant, si elle est indolore, il faut avoir à l'esprit l'origine néoplasique. D'accord? Les limites nettes ou imprécises, le caractère inflammatoire ou pas, la mobilité par rapport au plan profond et superficiel, et l'examen des autres aires ganglionnaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on doit examiner la peau, le cuir chevelu à la recherche d'une lésion cutanée. Un examen ORL complet. Donc, vous allez faire un examen, une endoscopie endonasale, c'est-à-dire une fibroscopie nasale, fibroscopie cavaire. Vous allez examiner les trois étages du pharynx et vous allez examiner votre plan glottique. N'oubliez pas le toucher buccopharyngé à l'aide d'un doigtier. On doit palper la loge amygdalienne, la base de langue, qui peut être inaccessible à la fibroscopie. D'accord ? On peut avoir une petite induration non visible à l'examen clinique. On pourra faire le diagnostic à l'aide du palpé. Autre chose, on doit palper aussi le plancher buccal à la recherche d'une induration. On terminera notre examen par un examen de la parotide et de la glande thyroïde à la recherche de nodules. Donc l'examen somatique complet, donc on examinera l'aire axillaire et inguinal, les aires ganglionnaires. Par la suite, vous allez rechercher une splénomégalie ou une hépatomégalie. Donc l'examen paraclinique, ça sera au départ un examen de routine, donc une FNS, une VS, IDR à la tuberculine, radiographie du thorax. Concernant l'échographie, donc vous commencerez toujours par une échographie. D'accord ? L'échographie, elle va vous aider à apprécier l'appartenance de cette tuméfaction, s'il s'agit vraisemblablement d'une adénopathie ou d'un diagnostic différentiel. Par la suite, donc vous allez demander une TDM. Maintenant, l'intérêt de la TDM, c'est de voir les rapports de la chaîne ganglionnaire ou de votre adénopathie vis-à-vis de l'axe jugulo-carotidien. Est-ce qu'il y a un envahissement de la carotide? De cela va dépendre votre indication chirurgicale. Est-ce que vous allez faire juste une adénectomie ou là vous allez faire un évidement ganglionnaire cervical?
Concernant le PET scan, des fois, donc vous allez avoir un patient avec une adénopathie, vous demandez une échographie, ça confirme le diagnostic. Par la suite, vous allez après avoir fait tout votre examen clinique, il n'y a pas de tumeur au niveau du larynx, au niveau de l'hypopharynx. La cytopunction, on vous répond métastase d'un carcinome épidermoïde. Métastase d'un carcinome épidermoïde. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut demander un PET scan. Le PET scan, c'est quoi? Le PET scan, c'est une scintigraphie qui va utiliser un glucose marqué par le 17-fluor, plutôt le 18-fluor. D'accord? Il faut savoir que les cellules cancéreuses consomment beaucoup de glucose. D'accord? Donc on réalise une scintigraphie après avoir injecté le glucose marqué et on pourra ainsi déterminer le site primitif du cancer. Est-ce que vous avez compris? On passe. Donc la panendoscopie, oui. Je ne vous ai pas entendu. Pour la scintigraphie, pour le PET scan plutôt. Donc le PET scan, c'est une scintigraphie réalisée en médecine nucléaire. D'accord? Elle va utiliser un glucose marqué par le 18-fluor. Ce glucose-là, il va être consommé par les cellules cancéreuses. Par la suite, on va réaliser la scintigraphie et on aura ce marqueur qui va nous montrer où se situe le site primitif de ce carcinome ou de ce cancer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Par la suite, on va réaliser une panendoscopie, puisqu'il faut savoir que notre fibroscopie, elle a ses limites. Quand vous faites une fibroscopie, est-ce que vous faites la part des choses entre fibroscopie et endoscopie? La fibroscopie souple, vous connaissez la fibroscopie souple? Donc la fibroscopie souple, il faut savoir qu'en ORL, elle fait partie de l'examen physique. C'est pas un examen complémentaire. D'accord? La fibroscopie souple, ce n'est pas un examen complémentaire, c'est une extension de l'examen physique. C'est-à-dire, quand on fait notre examen clinique, on doit utiliser le fibroscope. On examine les fosses nasales. Autrefois, on utilisait les miroirs. Vous connaissez le miroir laryngé? Donc, autrefois, on utilisait le miroir laryngé pour voir le plan glottique et l'épiglotte, mais c'est une méthode très contraignante. Il y a un réflexe nauséeux. Maintenant, avec l'avènement de la fibroscopie, on utilise la fibroscopie pour examiner les fosses nasales, le cavum, l'oropharynx et l'hypopharynx et même le plan glottique. Maintenant, cette fibroscopie, elle a ses limites. Elle ne peut pas vous montrer le fond du sinus piriforme. Vous ne pouvez pas accéder à la bouche de l'œsophage à l'aide d'une fibroscopie. D'où l'intérêt de compléter votre examen par une panendoscopie. Maintenant, si la lésion elle est sous-glottique, on va faire la part des choses, c'est-à-dire on va examiner la sous-glotte et faire des biopsies. Si la lésion est sus-glottique, on va faire aussi une biopsie. On va faire aussi une trachéobronchoscopie. Donc la panendoscopie, c'est une cavoscopie, hypopharyngoscopie, laryngoscopie, oesophagoscopie et trachéobronchoscopie. D'accord? D'accord? C'est ça la panendoscopie. C'est une endoscopie de toutes les voies aérodigestives. Maintenant, pour la cytopunction. Avant de faire une cytopunction, on doit avoir la certitude qu'il s'agit d'un ganglion. Pourquoi? Oui? Oui. La fibroscopie fait partie de l'examen physique ORL. Chez tous les patients, on doit faire une fibroscopie. D'accord? Ça fait partie de l'examen physique ORL. Autrefois, il n'y avait pas les moyens. On se contentait juste d'utiliser le miroir laryngé.
même pour examiner le rhinopharynx, on utilisait le miroir, le même miroir qu'on plaçait sous le voile pour voir le cas-ventre. Bon, concernant la cytopunction, après avoir réalisé une échographie, on est sûr qu'il s'agit d'une adénopathie. Maintenant, il y a des diagnostics différentiels aux adénopathies qu'on va voir par la suite, notamment les chémodectomes. Vous connaissez les chémodectomes? Les chémodectomes, ce sont des tumeurs vasculaires qui se développent au niveau de la bifurcation carotidienne, au niveau du glomus. C'est les tumeurs des glomus carotidiens, ou encore aussi appelés paragangliomes carotidiens. Maintenant, si on s'amuse à ponctionner un paragangliome, on peut avoir une hémorragie cataclysmique. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et demander une cytoponction d'emblée. En dernier recours, c'est la cervicotomie avec... Oui? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, il faut les poser à Bente. Atofla. Si vous avez des questions, il faut les poser. D'accord? Si vous avez une question, il faut les poser. D'accord? Donc, concernant la cytoponction, donc c'est juste un examen d'orientation. Elle ne va pas nous donner le diagnostic. Elle va vous orienter vers le diagnostic. L'examen de certitude, c'est l'examen histologique de l'adénectomie. L'adénectomie. D'accord? Il ne faut pas utiliser le terme de biopsie. La biopsie, c'est un fragment du ganglion. D'accord? L'adénectomie, on doit enlever le ganglion en totalité et on fait un examen extemporané. Et par la suite, selon le résultat de l'examen extemporané, on décide de s'arrêter ou de continuer le geste. D'accord? Est-ce que c'est clair? Concernant les biopsies, pourquoi c'est contre-indiqué de faire une biopsie? Première contre-indication, c'est les tumeurs vasculaires. On peut être en face à une tumeur vasculaire, un chémodectome ou un paraganglion. Deuxièmement, vous avez les anévrismes de la carotide. On peut être en face à un anévrisme carotidien. Vous faites une biopsie ou une cytoponction, vous allez provoquer une hémorragie. Et troisièmement, c'est la dissémination des cellules cancéreuses. D'accord? Maintenant, si vous avez une métastase ganglionnaire, idéalement, il faut faire une résection du ganglion en totalité et ne pas inciser la capsule du ganglion. Cela va permettre la dissémination des cellules cancéreuses et vous aurez ce qu'on appelle une flambée tumorale. D'accord? Flambée, F-L-A-M-B-E. Voilà. On continue? On passe? Donc, concernant le diagnostic différentiel, donc, quand vous avez une masse sous-digastrique, sous le ventre postérieur du digastrique, il peut s'agir de la grande corne de l'ostéoïde, surtout chez les maigres. D'accord? Il y a des patients qui viennent consulter, j'ai une tuméfaction, et après avoir réalisé l'examen clinique, donc c'est juste la grande corne de l'ostéoïde. Aussi l'apophyse transverse de l'atlas. On peut avoir aussi un bulbe carotidien avec des dépôts d'athérome. Le bulbe carotidien devient rigide s'il y a des dépôts d'athérome. Il peut en quelque sorte mimer une adénopathie. La tuméfaction sous-mandibulaire, donc concernant la tuméfaction sous-mandibulaire, il peut s'agir soit d'une tumeur de la glande sous-mandibulaire, à savoir, à titre d'exemple, l'adénopléomorphe, soit une tumeur du pôle inférieur de la glande parotide. D'accord? On peut avoir une tumeur du pôle inférieur de la glande parotide qui est étendue vers la loge sous-mandibulaire. On passe. Pour les masses susclaviculaires, donc on peut avoir un diverticule pharyngosophagien. On peut aussi avoir comme diagnostic différentiel un orinome du plexus brachial.
Et il faut avoir aussi à l'esprit les cancers de l'apex pulmonaire. Concernant les neurinomes, on peut les différencier cliniquement, soit le neurinome du plexus brachial, soit le schwannome du 10. C'est une tuméfaction qui est mobile dans un plan horizontal et immobile dans un plan vertical. D'accord? Donc les schwannomes et les neurinomes sont mobiles dans un plan horizontal, immobiles dans un plan vertical. Cependant, on est toujours obligé de demander l'imagerie. D'accord? Les masses pré-laryngées, vous avez les kystes du tractus thyroglosse. Donc les kystes des tractus thyroglosse, c'est une malformation de développement thyroïdien. Il faut savoir que la thyroïde, dans un stade embryologique, elle est de situation chez l'embryon. Elle se situe au niveau du foramen cæcum, c'est-à-dire au niveau de la base de l'angle. D'accord? Donc la thyroïde se situe au départ au niveau de la base de l'angle et par la suite, au cours du développement, elle va migrer de la base de l'angle vers la région cervicale basse. Au cours de son développement, quelques cellules ectodermiques peuvent persister et réaliser ce qu'on appelle le kyste du tractus thyroglosse. C'est une tuméfaction qui se trouve en regard du corps de l'osioïde et qui est mobile à la protrusion de la langue. D'accord? Quand on demande au patient de faire une protrusion de la langue, cette masse va bouger puisqu'elle est reliée à la base de langue. D'accord? Donc, ceci constitue un diagnostic différentiel d'une adénopathie cervicale. C'est ce qu'on appelle les kystes du tractus thyroglosse. C'est une malformation congénitale due à un défaut de développement de la glande thyroïde. D'accord? Est-ce que c'est clair? Les nodules de l'isthme thyroïdien, on peut les prendre pour des adénopathies. Et vous avez le laryngocèle externe extériorisé. Donc le laryngocèle, c'est une excavation qui se trouve au niveau des membranes thyroïdiennes ou cricothyroïdiennes. D'accord? C'est une excavation muqueuse qui augmente de volume lors de la manœuvre de Valsalva. C'est une tuméfaction cervicale qui augmente de volume quand vous demandez au patient de faire la manœuvre de Valsalva. Vous passez. Sur cette image, c'est un laryngocèle externe. Pourquoi on parle d'externe? Puisqu'il y a aussi des laryngocèles internes qui peuvent être dyspnéisants. Donc une masse du territoire jugulo-carotidien. Donc dans le territoire jugulo-carotidien supérieur, vous avez les tumeurs de la parotide. Vous avez le kyste amygdaloïde. Le kyste amygdaloïde, c'est une malformation congénitale de la deuxième fente bronchiale. D'accord? C'est un kyste congénital qui apparaît au tiers supérieur du sternocléidomastoïdien. Le diagnostic se fait au décours d'un épisode de surinfection. Ceci constitue aussi un diagnostic différentiel d'une adénopathie cervicale, c'est-à-dire c'est un motif de consultation pour une tuméfaction cervicale chronique. Et vous avez les chémodectomes. Les chémodectomes, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une tumeur qui se trouve au niveau de la bifurcation carotidienne, au niveau du glomus carotidien, qui peut être prise à tort pour une adénopathie. Et vous avez les anévrismes de la région carotidienne. Maintenant, à la région basse du cou, c'est les tumeurs thyroïdiennes peuvent être prises aussi pour des adénopathies. On passe. Maintenant, concernant le diagnostic étiologique. Donc, on va commencer par les adénopathies infectieuses. On commence par la tuberculose ganglionnaire. Donc, elle est due souvent à Mycobacterium hominis, rarement bovis. La clinique, elle est faite d'une altération de l'état général, sueur nocturne. C'est une adénopathie qui va évoluer dans 20% à la fistulisation.
D'accord? Elle va fistuliser à la peau. Et on peut avoir des cicatrices rétractiles. Après avoir fistulisé, on peut avoir des cicatrices rétractiles. Maintenant, concernant le diagnostic, il faut faire une IDR à la tuberculine, un téléthorax à la recherche d'une atteinte pulmonaire et faire une adénectomie. D'accord? Avec mise en évidence d'un granulome épithélio-gigantocellulaire avec une nécrose caséeuse. Maintenant, concernant le traitement, c'est un traitement antituberculeux de 9 mois. Maintenant, si échec du traitement médical, on sera obligé de faire un évidement cervical. D'accord? Si la lésion est localisée à un seul ganglion, on enlève un seul ganglion. Maintenant, si toute la chaîne est atteinte ou il y a une fistule importante au niveau cervical, il y a lieu de faire un évidement ganglionnaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, sur cette image, vous avez le stade de pré-fistulisation et ensuite ça a fistulisé. Donc, les infections à mycobactéries atypiques, il faut savoir que les caractéristiques cliniques de chaque adénopathie, certes, sur le plan théorique, vous devez les connaître. Mais sur un plan pratique, on ne peut pas toucher une adénopathie et dire ça, c'est une syphilis, ça, c'est. D'accord? On aura recours tôt ou tard aux examens complémentaires. L'essentiel, c'est de savoir utiliser ces examens complémentaires et ne pas sauter sur une biopsie ou une cytopunction avant d'avoir des éléments d'orientation. Donc, concernant les mycobactéries atypiques, donc c'est l'apanage de l'enfant, c'est une adénopathie qui sont unilatérales. Le diagnostic se fait à la cytopunction et on va chercher le germe dans le pus par examen direct ou par culture. Donc, concernant la syphilis primaire, c'est une adénopathie cervicale unique, dure, sans périadénite. On doit rechercher le tryponème dans le chancre syphilitique. Et concernant la syphilis secondaire, on cherchera aussi une éruption cutanée. L'adénopathie est ferme, indolore. Le diagnostic se fait par la sérologie TPHA VDRL. Le traitement, il repose sur la pénicilline. On passe. Donc, tularémie, donc le germe en cause c'est Francisella tularensis. Le réservoir c'est le lapin. C'est une adénopathie qui est volumineuse. Le diagnostic se fait à l'IDR à la tularine qui n'est pas disponible ici chez nous. Le traitement se fait par l'acycline et les aminosines. La maladie des griffes de chat, donc c'est des adénopathies qui sont fermes et douloureuses. Donc le mode de contamination, c'est par des griffes de chat. L'évolution, le plus souvent, elle est spontanée et favorable. Le traitement, il se base sur les cyclines et les aminosides. On passe. Concernant la brucellose, donc la contamination se fait par l'ingestion de produits laitiers. C'est une fièvre sudorhalgique. Il faut chercher aussi une splénomégalie associée. Le diagnostic se fait par le sérodiagnostic de Wright ou l'IDR à la méthyline. Les adénopathies parasitaires, vous avez la toxoplasmose. Donc le diagnostic se fait par la sérologie et le traitement est fait à base de cycline. La leishmaniose, concernant les adénopathies, c'est des adénopathies qui sont généralisées, fermes et indolores. Donc là, il faut chercher aussi une hépatospléno-mégalie. Donc le diagnostic, soit par la mise en évidence du parasite ou de son ADN par PCR dans les lésions cutanées, dans les prélèvements faits au niveau des lésions cutanées, ganglions, moelle osseuse. Il y a aussi l'IDR à la leishmanine. C'est ce qu'on appelle le test de Monténégro. Il se positive 3 à 4 semaines après l'infection à leishmaniose. Le traitement est fait à base de glucantail. On passe. On passe. Donc les adénopathies au cours du HIV. Donc on peut avoir une lymphoadénopathie persistante généralisée. Elle se définit par la présence d'adénopathies qui persistent plus de 3 mois dans au moins 2 territoires extra-inguinaux. Cependant, les adénopathies peuvent être dues à l'HIV en lui-même ou par le syndrome d'immunodéficience. On peut avoir d'autres surinfections
au niveau des ganglions qui sont dus à l'immunodéficience causée par le HIV. On passe. Donc les adénopathies inflammatoires, vous avez la sarcoïdose. On passe. La maladie de Lettrer-Seib, la maladie de Rosé-Dorfmann, c'est des histiocytoses langerhansiennes, le lupus érythémateux disséminé et la polyarthrite rhumatoïde au cours des formes systématiques. On passe. Maintenant, concernant l'adénopathie médicamenteuse, on peut avoir des adénopathies chroniques qui sont associées à des signes généraux. On peut avoir comme signe associé un rash cutané et un prurite au cours de la prise des captopril, de la rifampicine et des pénicillines. On passe. Concernant la maladie d'Hodgkin, elle se manifeste souvent par une ou plusieurs adénopathies à localisation cervicale dans 50% des cas et ou médiastinales. La ponction peut orienter vers le diagnostic, mais idéalement, ça sera une adénectomie, c'est-à-dire cervicotomie avec adénectomie, afin de mettre en évidence les cellules de Sternberg. Donc, une fois le diagnostic posé, on est obligé de demander une TDM thoraco-abdominale. Pourquoi ? Afin de classer le patient selon la classification d'Ann Arbor. On passe. Donc, les lymphomes non-Hodgkiniens se caractérisent par une adénopathie plus volumineuse que la maladie d'Hodgkin. Le diagnostic peut être assuré par une biopsie. On ne parle pas de biopsie, on parle d'adénectomie. D'accord ? Ou d'une biopsie pharyngée. Des fois, on peut avoir des lésions micronodulaires pharyngées associées au cours des lymphomes non-Hodgkiniens, d'où l'intérêt de faire les biopsies. La leucémie lymphoïde chronique, elle survient chez les sujets au-delà de 50 ans, c'est des adénopathies généralisées insidieuses de volume important. On passe. Les adénopathies métastatiques des VADS. Donc, le ganglion sous-digastrique est le ganglion le plus fréquemment atteint. Il doit être évoqué systématiquement chez les sujets de plus de 50 ans, avec notion d'éthylotabagisme, surtout si l'adénopathie est dure et sans caractère inflammatoire. Maintenant, si vous avez une adénopathie qui est dure, indolore, sans caractère inflammatoire, il faut penser à une métastase d'un carcinome. Chez le sujet jeune, il faut penser beaucoup plus à l'UCNT cavern, c'est le carcinome indifférencié du cavum. Dans la majorité des cas, l'examen clinique ORL permet de trouver l'origine. Maintenant, si on fait le diagnostic d'une adénopathie, on demande une cytoponction, on nous parle d'une métastase d'un carcinome épidermoïde. On va faire notre panendoscopie. Généralement, on trouve la lésion qui est en cause. D'accord ? Généralement, on trouve la lésion en cause de cette adénopathie métastatique. Cependant, on peut faire notre bilan endoscopique et ne pas trouver de porte d'entrée. D'accord ? Et ne pas trouver de site primitif de ce carcinome. C'est ce qu'on appelle l'adénopathie métastatique primitive. C'est-à-dire adénopathie métastatique sans porte d'entrée. Vous passez ? J'ai oublié de vous parler du ganglion de l'adénopathie de Troisier. Donc, c'est une adénopathie qui se trouve dans le secteur susclaviculaire gauche. Donc, il faut compléter votre examen clinique par des clichés pulmonaires et TDM abdominal. Les métastases d'un carcinome papillaire thyroïdien, il faut savoir que le carcinome papillaire thyroïdien est très lymphophile. C'est-à-dire, on peut opérer un patient et on peut avoir comme diagnostic définitif un carcinome papillaire thyroïdien. Après 3 ans ou 4 ans, le patient va développer une adénopathie cervicale. Il va s'agir d'une métastase papillaire thyroïdienne. On passe. Concernant l'adénopathie maligne en apparence primitive, c'est une adénopathie dont on ne trouve pas la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le PET scan, puisqu'il y a des lésions, des petites lésions cancéreuses qui peuvent passer inaperçues à l'endoscopie. Ces lésions-là, on peut les mettre en évidence à l'aide du PET scan. Maintenant, si notre PET scan est négatif, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ?
on va faire une adénectomie, c'est-à-dire on va enlever l'adénopathie métastatique et faire une cervicotomie exploratrice. Et idéalement, on doit faire une amygdalectomie homolatérale à la lésion. Pourquoi? Puisqu'il y a des microcancers qui peuvent siéger au niveau des cryptes amygdaliennes, qui peuvent passer inaperçus soit à l'imagerie, soit à l'examen clinique. On passe. Donc, comme conclusion, l'adénopathie cervicale est un motif fréquent de consultation. Le diagnostic étiologique est dominé par la pathologie infectieuse. Le clinicien doit toujours avoir en tête la probabilité d'une adénopathie métastatique, d'où l'intérêt d'un examen ORL minutieux et des examens complémentaires qui seront orientés par la clinique. Est-ce que vous avez des questions? Concernant le cours de demain, il sera probablement remplacé ou reporté. Je compte déléguer. Je vais vous contacter. C'est bon, non, mais...